was the 10 years of the Grisini a few months ago in December, and this video actually was planned for the 10 years of the Grisini, but we had to cancel because we had something called coronavirus. And I mean, on stage we had like 60 people working with us on this filming, so it was impossible to make this filming in December. So, but we still do it now, and I'm very happy because, and it's quite a symbol. You know, when I started the Grisini project 10 years ago, I started it, I was in a small room, very bad, very ugly, in a very small conservatoire in southern France, and I was there just filming myself with a very bad camera. And today we are here filming with an ego that is so impressive, like he's looking at you, you're like scared that he's going to eat you, and there is like two horses, all those people around you, it's like you're in the middle of this storm, and it's just amazing energy. We've been able to run this massive castle, which is quite something. It's a place of history. I think actually Napoleon came to this place, and I've been very lucky to be one of his pianists, apparently, according to this video. We had this guy, Johan, you know, this parkour guy. Oh my God, he did like so much scary things, but he was so professional. Like the way he did it was so secure. It's like really his job. I have to say a huge thank you to all the people who has been involved in this filming for taking care of this video, and I'm so proud of the result. Ce genre de projet, ça demande énormément d'énergie, énormément de passion, et c'est rendu possible uniquement parce que je suis entouré de gens d'une qualité incroyable, que ce soit la directrice de production qui nous a trouvé énormément d'opportunités pour faire ce clip, que ce soit aussi des personnes comme Eric Jousse qui sont des passionnés de reconstitution qui nous ont permis de rencontrer les bonnes personnes, qui nous ont permis d'avoir par exemple de la figuration sur le tournage, d'accéder à des lieux incroyables comme le château de Maison Lafitte où nous avons tourné ce clip, ou alors voilà, juste toute l'équipe technique qui était incroyablement volontaire et talentueuse, et grâce à qui voilà, on a pu faire finalement des images de qualité professionnelle, mais avec un budget qui est divisé par 100 à peu près. C'était le tournage le plus ambitieux que l'on ait fait jusque-là parce que tout simplement il y avait un aigle déjà, deux chevaux, 30 figurants, un champion du monde de parcours, et d'ailleurs tous ces éléments-là, il a fallu les rentrer dans la même journée. Donc ça a été vraiment très difficile, très ambitieux. Il y a eu aussi un plan séquence de pas moins de 45 secondes, ce qui est très long, très difficile à chorégraphier. Et tout ça, ça a été encore une fois rendu possible par l'extrême motivation et compétence de notre équipe qui était absolument formidable. Aussi, ce projet n'a pu naître que parce qu'on a eu le soutien absolument incroyable de personnes ou d'instances comme la mairie de Maison Lafitte, l'Office du Tourisme, Epicure Studio, Eric Jousse, ou encore les associations de reconstitution, Max Turtle, la boîte de location. Toutes ces personnes-là ou ces structures-là qui nous ont permis en fait de faire ce projet avec le budget limité qu'on avait. On les remercie juste du fond du cœur. On rencontre vraiment une équipe de tournage avec tous les métiers du cinéma, et c'est très intéressant de voir les gens interagir, tout ce travail-là autour du clip. Et puis nous, en tant que comédien, du coup, on approche un peu ça forcément, parce qu'en tant que musicien, on devient aussi comédien pour le clip. Et c'est vraiment passionnant de voir le travail, comment on fait un plan. Ça peut donner plus d'émotion en fait à tout le travail du Grisini Project. Même si on a l'habitude, entre guillemets, de tourner des vidéos avec Grisini, un tournage d'une telle ampleur, on n'a pas vraiment l'habitude, quoi. C'est vraiment assez exceptionnel. Pour une fois, on n'est pas au centre de la vidéo, et du coup, il y a des scènes qu'on peut observer de l'extérieur. Et c'est hyper intéressant de voir non seulement les figurants, les acteurs, mais de voir aussi comment l'équipe travaille, de voir même tout le matos qu'il peut y avoir. I mean, yeah, it was an awesome experience, and the team was incredible, as always. 50 000 euros, c'est ce que coûte un clip de cette envergure. Tout ce que vous venez d'entendre demande une énergie humaine, mais aussi financière gigantesque. Et sans l'aide de nos Patreoners, on n'y arriverait pas. 50 000 euros, we don't have them, we never had. But you see, we've been working with incredibly talented and motivated people who accepted one last time while not being paid
to come over and work on this amazing project. We are eternally grateful to them for their dedication, and we are extremely delighted to be able to present once again this kind of amazing cinematographic content, just like we did on our previous video on The Witcher. Il est temps de passer à l'étape suivante. Lorsque vous achetez nos CD ou que vous les écoutez sur Spotify, ça nous aide déjà beaucoup. Mais ce qui change la donne, c'est Patreon. C'est ce qui permet actuellement de financer les coûts de production et au vu de vos retours, on pense pouvoir produire et pérenniser le financement et la rémunération de nos équipes sur ce type de vidéo une fois par an. If we can't find a business model around it, this will be the last video of this kind. But last December 2020, we had our biggest video ever being deleted. I thought it was over. And that same month, we had 600 patrons joining us on Patreon. This is huge. All this, you made it possible. And I think that might be actually the beginning of something even bigger, bigger, but still independent and free on YouTube. So yes, Patreon, you, us, let's be a family and write this story together.